Un réalisateur est toujours influencé par l'œuvre de ses pairs. Mais parfois, ce cinéaste décide tellement d'épouser l'œuvre des réalisateurs qui l'ont influencé qu'il finit lui-même par devenir un monument à la hauteur de ses hommes, comprenant ainsi l'essence même de la cinéphilie et de la cinématographie. Quentin Tarantino est un cinéaste qui opère dans la production audiovisuelle depuis presque une trentaine d'années. Son cinéma est nourri par ce qu'il regarde et est influencé par ce que nous faisons. Ses films divisent en peu, et lorsque c'est le cas, les cinéphiles sont tout de même toujours d'accord pour dire que ses œuvres sont uniques, symboliques et avant tout cinématographiques. On dit souvent qu'un cinéaste ne fait que suivre un chemin tout tracé et qu'il doit savoir quand et comment sortir de celui-ci pour créer une œuvre singulière. Tarantino, il suit ce chemin et n'en sort jamais, mais vole au-dessus de celui-ci, à plusieurs kilomètres de hauteur, comme pour prouver qu'il est capable non seulement de reconnaître ses pairs, mais également de prendre un peu de recul sur eux. Si l'on regarde un film de Quentin Tarantino, on regarde une œuvre influencée par plus de 100 ans de cinéma. Une œuvre qui brasse des thématiques larges, qui est fascinée par l'idée même d'images animées et qui recherche avant tout à nous impressionner. En parvenant à saisir le spectateur, Tarantino l'oblige à remettre en question le cinéma et à se nourrir de ce que lui a vu pour le comprendre. Dialogue réduit à l'essence même de leur symbolisme, soit parler de sujets du quotidien magnifiés pour en faire des sujets de cinéma, mise en scène impressionnante qui use des outils cinématographiques pour se jouer de nous et des apparences, Tarantino est le cinéma. Il est ce que le cinéma a engendré de plus beau depuis sa création, soit un cinévore adorateur de l'image expressive et pluriculturelle. Capable d'aller chercher un plan provenant d'un film japonais muet du début des années 20, en rendant hommage à ceux qu'il aime et chérit comme Melvin dans beaucoup de ses films au début, Tarantino est avant tout un homme qui écrit et qui pense tout comme une œuvre de cinéma. Deux hommes à une table peuvent bien devenir une simple discussion entre amis, ou se transformer en une impasse mexicaine, ou simplement se terminer par une révélation. L'essence même du cinéma de Tarantino consiste à jouer avec les codes, de nous faire comprendre qu'un genre ne se limite pas à une vision réduite, mais qu'il peut devenir bien plus que cela, un mélange. Un mélange qui représente le besoin même d'un cinéaste, parler du monde qui l'entoure, et avant cela, parler de ce qui le touche. Et chez Tarantino, c'est la relation que nous entretenons avec notre passé et nos proches. Les relations constituent l'essence même d'une œuvre cinématographique, la relation entre le personnage et le monde, entre un homme et une femme, entre un personnage et un objet, ou entre un personnage et une situation. Chez Tarantino, tous ces éléments se mélangent pour ne donner qu'un seul ensemble cohérent et limpide, celui d'une scène qui mélange ces relations pour donner lieu à une constitution dramatique. Constitution dramatique qui réunit le personnage et le spectateur, car Tarantino recherche avant tout à faire du spectateur un acteur de la situation, que ce soit par le biais d'une relation particulière qu'il va entretenir avec le protagoniste, ou par l'appréhension que celui-ci va avoir d'une situation. Beaucoup reprochent à Tarantino d'être un littéraire, mais comme lui l'a souvent dit, si cela marche sur une page, c'est que cela doit marcher sur un écran. Et selon lui, c'est comme cela que l'on doit concevoir un bon film, par un bon scénario. Avant même de voir une œuvre de Tarantino, le pitch en lui seul allège souvent les spectateurs, et c'est là qu'il se démarque de beaucoup de cinéastes, par une originalité construite autour d'un ensemble et non d'une situation. Plonger dans l'univers de Tarantino, c'est demander simplement au cinéma d'être un peu plus que ce qu'il est. De lui demander de nous montrer une révolution des codes des genres pour mieux comprendre l'art qu'il veut être. Avec l'œil aguerri d'un cinéphile, Tarantino nous demande simplement de prendre une caméra et de jouer avec lui.